Bonjour Robert Berger. Bonjour. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des syndicats, Elisabeth Borne a fait plusieurs concessions euh, ce week-end sur la question des carrières longues, sur la question des seniors également dans la réforme des retraites. On va les détailler avec vous dans un instant. Il y a un petit peu le feu au lac. – Non, il n'y a pas le feu au lac, il y a une réforme des retraites. Et une réforme des retraites qui si ne vous a pas échappé, que ça a toujours été difficile à aborder en France. Et ce qui est normal, parce que c'est une réforme qui demande des efforts à des millions de Français. Et l'objectif, c'est à la fois que ces efforts permettent de financer nos retraites, de financer ce déficit structurel qu'on a à partir de cette année, mais se fasse aussi dans la plus grande justice possible, Notamment emploi des seniors et carrière longue. Alors les carrières longues, justement, Elisabeth Borne accepte finalement que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans puissent partir à 63. À quelles conditions Entre 4 et 5 trimestres de cotisation, pour être très clair. L'objectif, c'est quoi Aujourd'hui, quand on parle d'un trimestre, que les Français les bien en tête, on a l'impression que ça veut dire 3 mois. Ce n'est pas exactement ça pour les retraites. Il suffit d'avoir travaillé 150 heures payées au SMIC. Au SMIC pour, pour que, que ça équivale à un trimestre. Donc, si en gros, je prends mon exemple, moi qui étais étudiante à 20 ans, non. Si je fais un job d'été pendant 4-5 semaines, est-ce que ce serait normal, comme le demandent certains, notamment LR, eh bien, que je puisse partir à 63 ans La réponse est non. Ce pas parce que j'ai bossé 4-5 semaines l'été que je suis dans la même condition que celui qui a commencé à travailler à 20 ans sans discontinuer. Mais celui du coup, si vous demandez 5 trimestres euh, 4 à, 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 à quelqu'un qui ans. est censé avoir commencé à 21 ans ça, veut à dire, 20 lui, ans, ça veut dire que vous lui demandez 20 ans, en fait. Puisqu'on ajoute 4 semestres à 21. Avant, non, en fait, il y a plusieurs choses sur les carrières longues. Ceux qui ont commencé à, à travailler avant 16 ans, ils partent à 58 oui. ans. Ceux qui ont commencé avant 18 ans, ils partent à 60 ans. Ceux qui ont commencé avant 20 ans, ils partent à 62 ans. Et ceux qui auront travaillé entre 20 et 21 ans, et qui ont donc cotisé 43 ans, eux, ils pourront partir à 63 ans. C'est ça qu'on ajoute qui est nouveau. Et en effet, on fait la distinction entre ceux qui ont bossé sans discontinuer entre 20 et 21 ans, donc ceux qui ont travailler, et celui ou celle qui, comme moi, a juste fait un job d'été, 4-5 semaines, pour financer ses études, parce que évidemment, il faut faire une différence en celui qui a toujours travaillé, qui mérite de partir évidemment plus tôt, de reconnaître ce travail et cet engagement, et celui qui a travaillé de manière plus épisodique. Sauf que vous l'avez dit, la demande de la droite, euh, de, par la voix d'Aurélien Pradier, le vice-président du, du parti, c'est euh, accorder justement euh, de pouvoir partir à 63 ans quand on a travaillé ne serait-ce qu'un trimestre avant 21 ans. Mais c'est ce que je dis, un trimestre, ça veut dire, il suffit d'avoir voté le texte. Hein. Il suffit d'avoir travaillé 150 heures, payé aussi. Mmh. Donc ça veut dire quoi concrètement C'est avoir travaillé 4-5 semaines dans un restaurant l'été pour financer ses études, c'est très bien. On a été nombreux, évidemment, à avoir des jobs d'été, mais ça n'est quand même pas la même chose d'avoir travaillé 4-5 semaines et d'avoir travaillé 4 trimestres complets. Euh, je trouve que c'est normal de faire une distinction et de valoriser, encore une fois, le travail. Et surtout, ça c'est une mesure envergé. qui coûterait beaucoup trop cher. Des une, réforme des retraites. Ouais, exactement. une réforme des retraites, c'est fait pour quoi C'est fait pour se dire qu'on doit pouvoir générer suffisamment de moyens pour financer justement notre système de retraite. Si à chaque nouvelle mesure, on ajoute des milliards d'euros supplémentaires de dépenses, c'est l'inverse même d'une réforme. Donc ça des ne bougera retraites. plus. Et tant pis si vous n'avez pas les droits, les, les, les votes des républicains. Vous, vous savez, Aurélien Pradier n'est pas président des Républicains. Je non, mais il, il affirme que l'ensemble des députés. Il affirme que l'ensemble des députés a signé son amendement. C'est pas, pas lui qui emporte euh, l'adhésion euh, des républicains. Et je crois que les électeurs de droite ils sont attachés à deux choses. Ils sont attachés au fait qu'on sauve le système de retraite et ils sont attachés à la notion de travail et de justice. Mais ce ne sont pas, pas les électeurs de droite qu qui votent la réforme, ce sont les députés. Oui, mais ce sont des députés peut-être élus par des électeurs de droite. Et qui sont attachés. Et encore une fois, vous savez, les mêmes qui, aujourd'hui, à droite, signent un amendement qui refuse le report de l'âge légal étaient strictement les mêmes qui en 2020 signait un amendement en disant qu'il fallait décaler l'âge à 65 ans. Donc j'appelle chacun à de la cohérence. La Première ministre, elle a fait un paquet essentiel pour aller vers plus de justice. C'était une mesure qu'on demandait aussi fortement au sein de mon groupe. C'est fait. Et donc tous ceux qui ont des carrières longues, de 16 ans à 21 ans, eh bien c'est logique et légitime. Ils pourront partir plus tôt que les autres. Est-ce que cette, cette concession accordée par Elisabeth Borne euh, euh, bah, nécessite de l'argent, hein, entre 600 millions et 1 milliard d'euros euh, il faudra des nouvelles recettes, dit Olivier Dussopt, le ministre du travail. Lesquelles ben Notamment une mesure que nous on a proposée et qui est très liée à la question de l'emploi des seniors. Il y avait une situation absolument absurde dans notre pays qui faisait qu'aujourd'hui, euh, si vous gardiez un, un salarié jusqu'à son départ à la retraite, son départ d'office à la retraite, ça vous coûtait plus cher que de vous en séparer par une rupture conventionnelle. Avant l'âge légal de départ à la retraite. Donc, on met les deux maintenant au même niveau. C'est quand même pas normal de se dire que quelqu'un qu'on va licencier, dont on va se séparer à 58, 59 ans, ça coûte moins cher à l'entreprise que quelqu'un que vous gardez et qui finit sa carrière au sein de l'entreprise. Eh bien, ça, c'est une mesure qui va rapporté et qui nous permet notamment de financer cette mesure de justice sociale. Et ça, c'est tous les points que nous, au sein du groupe Renaissance, on a portés sur la question de l'emploi des seniors. Et moi, je souhaite qu'on aille plus loin. Mmh. Je souhaite notamment qu'on interdise désormais dans notre pays, et c'est ce qu'on va porter dans une future loi, à la fois les ruptures conventionnelles collective et les départs à la retraite qui sont vraiment ciblés sur une question d'âge. Aujourd'hui, vous avez le droit... Et comment de vous allez faire... faire ça Vous allez faire des contrôles permanents ben, Vous pouvez faire des contrôles, vous pouvez changer la loi, surtout, de manière à ce qu'encore une fois, il n'y ait plus de rupture conventionnelle collective, il n'y ait plus de départ anticipé. On dit en gros, à partir de 55 ans, vous n'êtes plus bon à travailler dans une entreprise et vous devez partir. Nous, il faut qu'on soit cohérent. On souhaite porter cette réforme des retraites, on souhaite décaler l'âge de départ à 64 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit travailler sur l'emploi des seniors, c'est ce qu'on fait dès cette réforme des retraites avec l'index senior qu'on abaisse par notre amendement dès les entreprises de 50 salariés pour le mesurer de manière effective. C'est ce que en je souhaite. Fait là où le gouvernement souhaitait faire. le mettre au tout début de la réforme. Bah, nous euh, c'est une, une demande qui qu pour... était très ouais. forte côté CFDT. Laurent Berger l'a rappelé encore cette semaine. Je crois que c'est important de dire qu'il faut qu'on mesure l'effort dans l'ensemble des entreprises, y compris à partir On de 50 en salariés. On va parler des seniors parce que c'est l'un des, des autres points qui fâchent avec évidemment le report de l'âge légal à 64 ans. Vous en avez pas marre simplement, Laurent Berger, à chaque fois que Elisabeth Borne fait une concession, que ce soit sur les carrières longues ou sur la retraite à 1200 euros euh, pour les actuels retraités, d'entendre la droite qui dit c'est grâce à nous. Bah, vous savez, à la Vous qui fin, venez je... de la droite en plus. <laughs> oui, mais je sais aussi pourquoi j'en suis partie. Et quand je vois bah, les excès de démagogie de certains, vous savez, je crois que j'ai bien fait. Et surtout, ce qui compte, c'est qu'à la fin, on ait une réforme qui puisse être votée. Et encore une fois, une réforme qui permette et d'être Mais Grâce à la droite. Mais il faut une majorité. Ouais. On, vous a la savez, la on a que voté. ça bouche parce qu'il vous, vous met la pression. Mais, on a bougé pourquoi euh, On a bougé parce que euh, la majorité, elle a souhaité être aussi très exigeante. La retraite minimale à 1200 euros, je suis la première à avoir dit qu'il fallait impérativement que ça concerne aussi les retraités actuels. La Première ministre l'a entendu. La droite nous a rejoints. Tant mieux, tant mieux qu'on porte ensemble Eric des Ciotti mesures qui sont des mesures de justice. Et ben, chacun dit <laughs> c'est grâce à moi. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, ce soit effectif pour les Français et que ça change leur vie. Et je crois que quand vous gagnez aujourd'hui 1100 euros à la retraite, si demain vous avez 100 euros supplémentaires à la fin du mois, ça fait une vraie différence. Et c'est ça qui comptera. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Invité de France Info jusqu'à 9h. Le Fil Info à 8h40 avec Marie Meuf. La France se tient prête pour aider la Turquie, assure sur Twitter la ministre française des Affaires étrangères. Le bilan ne cesse de grimper après ce séisme de 7,8 cette nuit. Plus de 350 morts dans le sud du pays, mais aussi dans la Syrie voisine. 25 ans après l'assassinat du préfet Erignac en Corse, Gérald Darmanin est à Ajaccio. Aujourd'hui, il préside la cérémonie d'hommage. La semaine dernière, la demande de semi-liberté de Pierre Alessandri a été acceptée. Il est condamné à la perpétuité dans cette affaire. Progresse encore en France, plus 15,6% sur un an pour notre panier France Info de produits alimentaires et d'hygiène. Le prix du sucre, notamment, s'envole près de 50% en plus ces 12 derniers mois, selon le cabinet Nielsen IQ. En judo, Teddy Riner inépuisable à un an et demi des JO de Paris, il a remporté son septième titre au tournoi de Paris, le Paris Grand Slam hier. Teddy Riner remis de sa blessure à la cheville l'été dernier. France Info, le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, on en parlait juste avant les titres. L'index senior va être obligatoire pour toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. Et Elisabeth Borne évoque même euh, des sanctions euh, pour la première fois. Qui contrôlera Déjà, il faut encore une fois rappeler une évidence, c'est-à-dire si on reporte l'âge de départ à la retraite à 64 ans, la logique, c'est qu'évidemment, on mette le paquet sur l'emploi des seniors. Et aujourd'hui, c'est un gâchis monumental dans notre pays, c'est un gâchis social, humain, mais aussi économique, de se séparer plutôt de ceux qui ont des compétences. Alors comment vous allez inciter les entreprises à les garder Donc, Déjà, on va mesurer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas mesurer. On ne sait pas dire secteur d'activité par secteur d'activité, type d'entreprise par type d'entreprise, qui sont les bons et les mauvais élèves. Et donc ça, c'est important de le faire. Ensuite, si les résultats ne sont pas bons, on va obliger les entreprises, c'est aussi ce qu'on porte, nous, au sein du groupe, à faire un plan d'action annuel pour venir corriger, encore une fois, ces disparités qui peuvent exister. Et enfin, C'est-à-dire les entreprises auront un an chaque année, elles seront dans l'obligation oui. de faire un plan d'action. Mais ce sera étalé sur plusieurs annuelle. années, on fixera un objectif où il y aura un an pour revenir à, à, à un chaque chiffre année. plus important de seniors. On va, on va oui. venir mesurer votre effort chaque année. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes bon élève une année que vous ne pouvez pas être mauvais élève deux ans plus tard. Donc il pourrait y, y avoir des sanctions chaque année. Donc chaque année. année, on va déjà les obliger à mettre en place un plan d'action pour venir, encore une fois, corriger ce qui nous semble être une inégalité. Et si, si jamais S'il faut, faut, oui. si faut aller plus loin, alors ce qu'on met déjà, c'est que l'entreprise qui refuserait de publier ses résultats, ben on va la sanctionner financièrement. En général, quand vous vous ne voulez pas publier vos résultats, c'est plutôt qu'ils sont mauvais. Donc, ça va être une incitation assez forte, non seulement à publier des résultats, mais surtout à faire en sorte qu'ils soient bons. Parce que quand vous avez encore une fois une pression financière, évidemment, ça aide. S'il faut aller un cran oui. plus loin et mmh. se dire que dans deux ans, il faut ajouter de la sanction financière, j'ai aucun problème à ce qu'on puisse le et déterminer. Pourquoi parce que ce suite. sera dans la loi. Là. Bah, tout, alors, nous, ce qu'on a proposé, c'est déjà encore une fois de mesurer. C'est compliqué de se dire. Parce que qu'il y a un petit doute dans la aller... formulation d'Élisabeth Borne euh, sur les sanctions, non pas pour les entreprises qui ne publient pas leur index, oui. mais sur celles qui, qui n'auraient pas assez de seniors dans les effectifs. Est-ce qu'il y aura dans la loi sur les retraites qui arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale des sanctions pour celles qui n'ont pas assez de seniors bah, je vous dis, la sanction, c'est l'obligation déjà, encore une fois, de mettre en place ce plan, ce plan annuel. Ouais. Et après, moi, je, je pense que si vous voulez mettre en place des sanctions dès la première année, ce n'est pas cohérent avec l'idée que vous créez quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on ne sait même pas quel est l'état de notre pays sur ce sujet-là. On a le constat global. On a un, cosmique, ouais. mais un constat global. Donc on se global, doute qu'il y a des entreprises pas qui le exactement pas la même envie. chose, entreprise par entreprise. Et encore une fois, le simple fait de mettre une sanction financière assez forte sur la non-publication va faire quoi Va faire que vous avez intérêt à avoir un bon indicateur. C'est ce qui s'est passé mais sur l'indicateur. Des syndicats ce matin, un loup dans la déclaration d'Elisabeth il n'y aura pas de sanction automatique inscrite dans la loi qui bah, à ce qui stade arrive à Moi, je considère que sur la première année, il faut vérifier ce qui se passe concrètement et dire aux entreprises, leur mettre la pression en disant Attention, si vous n'arrivez pas à atteindre des résultats qui sont de bons résultats sur l'emploi des seniors, alors c'est simple. Le Parlement se réservera le droit dès l'année prochaine de mettre en place des, des sanctions. Donc ça veut dire que la pourquoi pression vous ne faites pas tout sur suite les entreprises Vos collègues du MoDem, les, les vos alliés centristes, ils proposent de créer un, un système de bonus-malus justement en fonction du, de, du résultat de chaque Mais entreprise. On va, déjà, on va bon, voir le la, débat vous parlementaire. Vous l'adoptez pas tout de suite puisqu'il le propose. On va avoir un le débat parlementaire, moi ouais. ça me gênerait pas. À un moment que de toute façon le débat il, il va aussi permettre éventuellement des avancées, des modifications. Moi je vous donne ma conviction. Je dis que je pense qu'il faut mettre en place cet index qui était une demande depuis des années, qui n'avait jamais été mise en place on la baisse aux entreprises de 50 salariés donc c'est un effort important qu'on demande évidemment ce enfin c'est pas la même chose une entreprise de 50 salariés une entreprise de 3000 vous pouvez pas forcément mettre en place les mêmes plans d'action donc il faut aussi moduler de manière intelligente évidemment pour toutes nos entreprises dans leur diversité les obliger à un plan d'action annuel et encore une fois se dire qu'on se réserve le droit de mettre en place des sanctions si on voit que dans notre pays ça n'avance pas. Mais ce que je vous ai annoncé sur le fait qu'une entreprise ne pourra plus demain mettre à la porte ses salariés en disant on fait un grand plan euh, d'action euh, qui euh, va mettre à la retraite d'office euh, tous les plus de 55 ans, ça c'est décisif pour l'avenir de l'emploi senior. Bah, vous ne pourrez plus avoir un plan d'action qui fera tout simplement qu'encore une fois vous considérez qu'à partir de 55 ans en France vous êtes plus employable. Sur les femmes au... Berger, comment faire pour que les trimestres de maternité euh, pris en compte dans le calcul de la retraite ne soient pas neutralisés par le recul de l'âge de départ à 64 ans moi, Beaucoup moi de sûr. femmes vont perdre le bénéfice de ces trimestres. J'aimerais m'arrêter une minute sur ce sujet parce que, en vérité, c'est un sujet qui m'agace, si je suis très honnête, profondément. Je suis profondément féministe, mais pour moi le féminisme, c'est pas de venir corriger uniquement à 62 ou 64 ans les inégalités, parce qu'en vérité, on vient on vient constater des inégalités qui ont existé avant bon, tout au long de la carrière. carrière. Oui. Moi, je veux qu'on se batte. Non, mais excusez-moi. ça, pardon, c'est le gouvernement sur, qui a mis ce, ce cet argument sur le tapis en le disant membre. cette réforme va vers plus de justice. C'est-à-dire qu'on a laissé penser que les femmes, que l'écart hommes femme allait se réduire. Ce ah qui n'est pas le cas réduire. dans l'étude d'impact. Il va se réduire. Il va se réduire pour trois raisons. Il va se réduire un parce que la retraite minimale valorisé à 85% du SMIC, c'est d'abord des femmes qui en bénéficient. C'est 60% des femmes qui bénéficient de la retraite minimale. Donc ça, ça change la vie de celles qui ont des petites pensions. Deux, on prend en compte les congés parentaux. Ce sont massivement des femmes qui prennent des congés parentaux dans le calcul des carrières non, longues. Uniquement dans le calcul des carrières longues, oui, pas pour les autres. C'est ce que je viens de dire. Trois, on prend en compte aussi la question des aidants familiaux. En général, ce sont aussi des femmes qui s'arrêtent pour élever un enfant en situation de handicap ou pour accompagner un parent en perte d'autonomie. Mais il y a des millions de femmes qui vont perdre une partie du bénéfice des trimestres et ensuite, liés aux enfants. Moi, je le dis de manière très claire. Pourquoi on avait mis en place à cette époque, nos prédécesseurs ont mis en place des trimestres dits maternité et éducation, parce qu'à l'époque, les femmes étaient condamnées. Contraintes n'avaient pas d'autre choix que de s'arrêter de travailler et ne pouvaient pas poursuivre leur carrière à partir du moment où elles avaient des enfants. Dieu merci, en France aujourd'hui, on peut avoir des enfants et continuer sa carrière. Et notre enjeu, c'est quoi C'est de faire en sorte qu'on puisse continuer sa carrière avec le même niveau de rémunération à partir du moment où on occupe le même poste et donc. À la fin, oui, avoir la si même vous retraite. Vous pas être pénalisé, prenez pas de congé maternité. Non, c'est absolument pas ah. ce que j'ai dit. Non, mais vous mélangez deux choses, excusez-moi. Le congé maternité. Le congé éducation. Et un congé où ouais. vous, vous seriez obligé quelque part de vous arrêter, de travailler parce que vous auriez eu un enfant. Aujourd'hui, les femmes peuvent évidemment exercer leur droit à un congé maternité, évidemment. Il y a même un congé paternité qu'on a créé. Et à l'issue... Retravailler. D'accord, mais comment vous faites pour ceux qui ne prennent, prennent pas complètement l'entièreté de leur congé euh, maternité euh, ou de leur congé éducation, justement. Comment vous faites pour prendre en compte cela Vous, par exemple, vous avez eu un enfant, vous n'avez pas pris la totalité de votre congé maternité. Mais ce sont deux choses différentes. Donc, pour la retraite, comment vous améliorez la situation et vous prenez en compte le congé maternité que vous n'avez pas pris à plein Non, mais encore une fois, je pense que, je suis désolée, mais on mélange des sujets. La question du congé maternité, c'est quelques semaines dans une vie. Et en général, c'est pas tout à fait dans vos 25 meilleures années de carrière que vous avez eu un enfant donc il n'y a pas de sujet sur la prise en compte des quelques semaines de congé maternité ensuite dans ce qui sera votre retraite demain et puis il y a ensuite les trimestres des trimestres supplémentaires qu'on accorde aux femmes au titre de la maternité et au titre de l'éducation des enfants encore une fois' ces trimestres, dans, le privé, 4 dans le public exactement ces trimestres existent continuent à exister ils ne sont pas supprimés par la réforme. Ce que moi je vous dis juste, c'est que ces trimestres ont été créés à une époque où les femmes n'avaient pas d'autre choix que de s'arrêter de travailler pour élever leurs enfants. Aujourd'hui les femmes... Elles ont des enfants, elles ont des carrières et tant mieux. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte surtout que leurs carrières ne soient plus des carrières hachées, comme on le dit, mais qu'elles puissent évidemment continuer leur évolution professionnelle, leur carrière professionnelle, leur progression professionnelle et atteindre l'égalité salariale. Donc il n'y aura pas de mesures supplémentaires pour les femmes dans la réforme bah, lors les de l'examen C'est la retraite minimale, ouais. c'est l'intégration ouais. des congés parentaux dans les carrières longues, c'est la question des aidants familiaux et le ouais. fait qu'elles continuent à bénéficier de ces trimestres dits maternité et éducation. Aurore Berger, présidente du groupe Prenez à l'Assemblée nationale. Invité de France Info, 8 h 50 minutes. le fil Info Marie Maheu. Comment empêcher que les enfants accèdent aux sites pornographiques Le ministre en charge du numérique, Jean-Noël Barrot, veut mettre en place une application dès la rentrée de septembre. Il faudrait s'identifier dessus à chaque passage sur ces sites. Un violent séisme de magnitude 7,8 touche le sud de la Turquie et la Syrie cette nuit. Il a fait 350 morts. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Nous sommes en train de monter une équipe, confie sur France Info le chef de mission de secouristes sans frontières. Des perturbations à l'école, dans le secteur de l'énergie et les transports. Demain, contre la réforme des retraites, trafic fortement ralenti à la SNCF, dans les transports parisiens, niçois ou encore marseillais. Pour samedi, les syndicats de cheminots penchent pour un appel à manifester plutôt qu'une grève. La chanteuse américaine Beyoncé devient l'artiste la plus couronnée de tous les temps au Grammy Awards. Quatre de plus à son palmarès depuis cette nuit pour un total de 32 récompenses. En revanche, le meilleur album de l'année revient au britannique Harry Styles. France Info le 830 France Info, Salia Braccia, Marc Fauvel. Avec Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. La réforme prévoit aussi la suppression des régimes, des régimes sessions, enfin pas tous, hein. pas ceux des parlementaires, c'est-à-dire le vôtre et celui des, des sénateurs. Si on prend l'exemple des sénateurs. Attendez, nous, le nôtre, on l'a supprimé dès 2017. Il est presque aligné sur celui de la fonction publique Non mais il l'a été. On a, en fait, ce qui est très simple. Est en 2017, quand on fait. est arrivé en, en tant que majorité, c'était François de Rugy qui était président de l'Assemblée nationale. Il y avait ce qu'on appelait une double cotisation. On cotisait double et donc on garantissait une meilleure retraite. On l'a supprimée. On l'a supprimé, donc aujourd'hui, notre régime, il est aligné. Et après, si jamais la réforme continue à changer des choses, évidemment, nous, on l'intègre. Moi, je suis toujours partie d'un principe c'est qu'à partir du moment où on demande des efforts aux Français, il faut se les appliquer à soi-même. C'est ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale. La super cotisation, c'est toujours le cas des sénateurs, euh, ouais. aujourd'hui, qui bénéficient non pas d'un régime spécial, mais d'un régime euh, autonome. Est-ce qu'il faut le réformer Moi, je pense qu'encore une fois, il faut être logique avec soi-même et cohérent. À partir du moment où on demande des efforts aux Français, il faut se les appliquer à soi-même. On l'a fait à l'Assemblée nationale, et moi, je pense, et j'espère que les Vont le faire aussi. Et pourquoi vous ne proposez pas dans la réforme des retraites là aujourd'hui Parce que en les vérité, sénateurs... on ne peut pas. C'est juste que constitutionnellement, on ne peut pas. Il faut que dire... ce soit une décision du bureau du Sénat qui décide de modifier son régime parce que c'est financé sur la caisse. Du Sénat. Donc c'est à eux de prendre cette décision. On n'a pas le droit de prendre cette décision à leur place. Donc le gouvernement qu'on On peut pas euh, au, nom du, de la, au nom de la séparation des pouvoirs. Vous les on députés, vous dites vous, on peut pas. Non, on n'a vraiment pas le droit et la possibilité de le faire. Donc vous dites à nos homologues au Sénat, c'est on l'a fait à l'Assemblée. Faites-le au Sénat et on sera d'autant plus crédible et légitime à porter une réforme des et retraites. Tous vos sénateurs voteraient comme un seul homme. Euh, cette mesure, si elle était proposée demain oui, par oui. Gérard Larcher, je pense qu'évidemment, nos oui. sénateurs, ils sont prêts, euh, parce que déjà, vous savez, on est un peu loin de la majorité, nous-mêmes au Sénat. Donc, c'est pas nous plus qui pourrons faire la décision. Oui. Parfois, c'est <laughs> plus confortable. Euh, eh bien, je pense qu'encore une fois, il faut évidemment le faire. C'est une question de cohérence et de justice. Est-ce qu'on peut être député Renaissance aujourd'hui et ne pas voter la réforme des retraites Moi, j'ai toujours dit depuis le début qu'aucune aucune voix du groupe Renaissance ne manquerait sur la réforme des retraites, et vous verrez. À la fin, je pense que j'aurai raison. Vous avez lu euh, et entendu l'enquête, notamment de nos confrères de France Inter, 12 députés de, de, de votre groupe, Berger, sont Sandro. des euh, trois groupes, pardon, mmh. vous avez raison, c'est-à-dire aussi les députés philippistes et aussi les. Euh, je ne comment on dit, enfin les députés euh, Horizon et aussi les députés du, du Modem. Euh, ceux qui ne voteraient pas la réforme, il se passera quoi Encore enfin une fois, moi je parle pour mon groupe, je ne peux oui. pas parler pour les groupes Si quelqu'un vote contre. Moi je vous dis. Que dans mon groupe, aucune voix ne manquera pour voter la réforme des retraites. Pour un principe simple, c'est qu'on s'est engagé sur cette réforme et que les exigences très fortes de notre groupe sur les enjeux de justice, sur la retraite minimale, sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur la question des femmes, ont été intégrées. Donc ont vous été préférez restent à la maison aujourd'hui plutôt que temps... d'aller voter contre Non, moi, je ne demanderai jamais à un parlementaire de ne pas s'exprimer et de ne pas venir. Mais vous verrez qu'ils viendront et qu'ils viendront voter pour la réforme. Aurore Berger, nouvelle journée de mobilisation demain, mobilisation, manifestation et grève. Et je voulais euh, vous faire éclaircir une phrase que vous avez prononcée chez nos confrères de France Culture. Vous avez dit euh, ⁇⁇ Être un homme ou une femme politique, c'est aussi résister parfois à l'opinion publique. ⁇ Mais vous n'êtes pas élu justement pour, euh, pour faire passer les messages, pour, euh, pour servir justement l'opinion publique, les Français bah, vos confrères de France Culture m'interrogeaient notamment sur la question de l'IVG. Euh, et c'est dans ce cadre-là que j'ai répondu. Et je pense que oui, c'est important parfois de résister à la pression aussi de l'opinion publique et de ne pas en permanence uniquement ouais. euh, dire euh, ce qui est attendu de nous. Je sais qu'en portant la réforme des retraites, c'est une réforme qui est difficile. Et c'est une réforme qui est difficile parce qu'elle demande des efforts à des millions de Français. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans l'arrogance, tomber dans la facilité. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité. Et dire la vérité, c'est dire que... Les projets alternatifs aux nôtres, euh, notamment le projet d'LFI, c'est 85 milliards d'euros de coûts et qu'en vérité, ils ne savent pas le financer autrement qu'en baissant les pensions des retraités ou en augmentant les cotisations, ce qui veut dire baisser le salaire des Français. C'est ça être honnête et c'est ça faire de la politique. Laurent Berger, le Sénat euh, a voté il y a quelques jours pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais en modifiant un peu euh, la formule qui avait été votée par les, les députés. Les députés parlaient d'un droit euh, le Sénat parle d'une liberté pour les femmes euh, d'avoir recours à l'IVG. Est-ce que la formule vous satisfait tout de même ou pas Moi, ce qui me satisfait et ce qui me réjouit même, c'est que le Sénat ait voté l'inscription dans la Constitution de la reconnaissance de l'IVG, du droit à l'IVG. Que ça ce qui soit est une historique. liberté ou un droit, parce que ce n'est pas le mot droit hein. qui est Oui, mais ce qui est important, c'est quoi C'est la portée aurait l'inscription dans la Constitution de la protection de l'IVG et qu'on l'écrive à tel ou tel article de la Constitution, ça a évidemment plus ou moins de portée symbolique, mais à la fin c'est dans la Constitution qu'on écrive droit ou liberté. À la fin, ce qu'on veut dire, l'intention du législateur et la majorité qui se dégage à l'Assemblée et au Sénat, c'est de dire quoi De dire que si demain nous avions malheureusement une majorité différente, une majorité populiste, une majorité qui voulait attenter au droit des femmes, eh bien, elle ne pourrait pas revenir sur ce droit ou sur cette liberté fondamentale des femmes à disposer de leur corps. Donc vous vous ne réécrirez pas le texte du Sénat et vous souhaitez qu'il soit adopté tel quel à l'Assemblée Moi, en tout cas, je ne veux pas qu'il y ait une bataille, j'allais dire un peu de chiffonnier, pour se dire quel est le meilleur des textes. Le meilleur des textes, c'est celui qui a une chance de recueillir une majorité à l'Assemblée et au Sénat pour qu'à la fin de notre mandat, la Constitution ait été modifiée. Parle bien un référendum alors, il y a un vrai débat, y compris pour ceux qui sont comme moi très attachés à ce droit, de se dire est-ce que le référendum ne prendrait pas le risque de rouvrir des débats qu'on ne souhaite pas voir rouvrir dans notre pays, avec des anti-IVG et cette déferlante qu'on aurait Vous savez, quand on l'a voté à l'Assemblée nationale, on a reçu à, la, à, sou, à nouveau des intimidations, des menaces. Moi, j'ai reçu un petit bébé en plastique démembré, euh, et ainsi de suite. Donc, c'est évidemment pas la violence de ce qu'a connu Simone Veil à l'époque de ces débats, mais vous voyez bien quand même que malheureusement, ça charrie beaucoup de mauvaises âmes ce débat. Donc et je pense qu'à la fin le Congrès à le Versailles. fait d'avoir un projet de loi constitutionnel d'avoir un Congrès on sait aujourd'hui avec le vote du Sénat qu'on a une majorité des trois cinquièmes puisqu'au Congrès il faut réunir trois cinquièmes et de l'Assemblée et du Sénat pour faire adopter un texte je pense que c'est plus raisonnable j'allais dire par rapport à ce que les débats pourraient être euh, et je pense que de toute façon c'est cette voie là qu'on doit à mon avis emprunter ce qui compte message en envoyé au fin, gouvernement notre... Oui, mais la Première Ministre, elle, elle s'est engagée elle-même. Quand j'ai déposé cette proposition de loi constitutionnelle, immédiatement, elle est venue en soutien de cette proposition de loi. Vous avez la garantie que le Congrès sera réuni avant la fin du quinquennat pour faire voter l'inscription du VG dans la Constitution c'est une décision qui revient au Président de la République oui. à lui seul, que ce soit le Congrès ou le référendum. vous en parlez, je suppose, lors des réunions de la Évidemment, majorité Évidemment, nous en parlons, oui. et avec le Président de la République et avec la Première Ministre. Moi, ma ben, conviction de femmes, de citoyennes et de parlementaires, c'est qu'avant la fin du mandat, la constitution aura été modifiée et que la constitution intégrera le droit à l'IVG. Aurore Berger des chars lourds de combat, des chars légers, des canons César mais aussi des missiles les occidentaux dont la France multiplie les envois d'armes aux Ukrainiens. Est-ce qu'à un moment il faut en parler au parlement Consulter le Parlement sur l'envoi d'armes lourdes euh, aux Ukrainiens Alors, on a eu un débat au Parlement hein, sur la situation en Ukraine. Alors, un débat sans vote. Au début de la guerre. Être, mais ouais. on a eu un débat il y a quelques, non, y a quelques mois à, dans cette rentrée parlementaire. Donc, on a eu ce débat. On a fait venir le président de la RADA, le président du Parlement ukrainien qui est venu à l'Assemblée et au Sénat. Moi, je crois que ça reste une prérogative qui est celle du chef des armées euh, que de décider d'envoyer ou pas euh, tel ou tel équipement. Et je crois qu'on a aujourd'hui, heureusement, une majorité dans tous les cas pour dire que c'est Nécessaire de le faire. Et qu'encore une fois, on doit avoir cette réactivité, cette agilité pour agir très vite. Un débat au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, ça peut être des semaines de débat Est-ce que les Ukrainiens, ils ont des semaines devant eux quand ils demandent, parfois quand ils supplient, d'avoir des armes supplémentaires Je ne crois pas qu'on puisse avoir dans cette configuration-là ce débat. J'entends la demande des parlementaires. Moi, je pense que franchement, il vaut mieux surtout faire en sorte qu'à la fin, les Ukrainiens gagne cette guerre, c'est ça l'objectif surtout qu'on doit pouvoir poursuivre. Merci à vous, René Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Vous avez préparé les stocks de café les deux <laughs> semaines qui viennent. De café et même de bonbons, pour tout vous Et dire. même de bonbons. Merci, voilà. bonne journée à vous. On est prêt. <laughs>